Coucou à tous, ben voilà, je suis en direct de Saint-Nazaire à Récif-Briand. Voilà, je viens de me faire gazer la gueule en direct. Donc les flics ont chargé des mômes de 17-18 ans. Hein, vous allez voir mes photos voilà, en rentrant là, et mes petites vidéos. Je suis folle parce qu'en fait il y a un flic qui est venu en fait me pousser, me dire de dégager, voilà. Donc il n'y a pas de mots en fait, en fait en train de charger des gamins de 15 à 18 ans là, violemment. Donc voilà, la BAC qui vient, enfin voilà, c'est un gros bordel. Donc j'appelle en fait tous les parents à venir en fait défendre leurs enfants, parce que là c'est grave là. Je vais vous montrer là en direct, je vais tourner la caméra et voilà, je vais vous montrer le bordel qui est en train de se passer. Voilà, on est gazés, les mômes sont là, ils sont tous gazés, voilà, avec les flics qui sont partout. Voilà, regardez la terreur de vos gamins. Regardez. Filme le ciel. Voilà, regardez, voilà, on est à Saint-Nazaire, voilà, on est complètement gazé, voilà, des mômes qui ont entre 15 et 18 ans, voilà, entre 15 et 18 ans, voilà la France d'aujourd'hui, là. Voilà, des mômes qui sont gazés, voilà. Ça continue, les camions de flic là-bas, la BAC. Voilà. Voilà, ils ont encerclé carrément. Voilà, tout le monde. Donc, regardez, c'est que des gamins. Entre 15 et 18 ans. Je suis désolée là, je suis obligée de mettre mon masque parce que c'est irrespirable. Je vais aller voir s'il n'y a pas des. Il y a des gamins qui ont du mal à respirer là-bas. Oh. Ah putain, ça. Voilà. Oh. Ah putain, c'est l'enfer. Ah là, ça continue. Viens, viens, viens. Viens me rapprocher. Ah, ça tire de partout là. Ça tire de partout, c'est vraiment. J'ai vraiment l'impression de se retrouver en zone de guerre. Parce que regardez ce qui se passe. Voilà, regardez. Voilà en direct. Voilà en direct. Excusez-moi, mais là c'est franchement, c'est irrespirable. Putain. Gazé grave. Oh putain. Oh.
Voilà, c'est des mots contre 15 et 18 ans, voilà, qui revendiquent simplement le fait d'avoir des conditions sanitaires normales aux classes. Et là, en fait, donc c'est franchement, c'est très anxiogène. Ils nous gazent la gueule, putain, ça nous brûle. Ça me brûle la gueule, mais c'est hallucinant. Je vais vous montrer la tête que j'ai là, voilà. Voilà, dans l'état où je suis. Donc voilà, on est gazé, mais grave quoi. On est. Excusez-moi, je reprends un peu. Voilà. Donc en fait, ça a débuté ce matin. Dans la joie et la bonne humeur, je dirais. Ils étaient pacifiques. Et puis là, le cordon de flics est arrivé. Et ont commencé à charger en fait des mômes entre. Je respecte bien, ils ont entre 15 et 18 ans. Ils réclament simplement que le protocole sanitaire soit accepté et bien conduit. Parce que dans leur réfectoire, ils ne peuvent pas en fait respecter le protocole sanitaire. Et qu'en classe, ils sont 37. Donc voilà. Donc en fait, ils se sont fait charger. Et là, rebelote, voilà. C'est reparti, voilà. Ils rechargent. Oh putain. Ils rechargent, voilà, c'est la panique. Voilà, regardez. Voilà. Alors, on est gazé. On est bloqué d'un côté et de l'autre. Il y a des tables, je sais même pas d'où ça. Et voilà. Voilà ce qui se passe à Saint-Nazaire. On est à Aristide-Briand en fait. Ça me pique, ouais. Devant le lycée. Oh, ils sont en train de gazer les mômes. Voilà. Oh putain. Bon, écoutez, je vous laisse là parce que il va falloir que je mette mes lunettes et tout et que je me protège un peu parce que là, ça devient vraiment très dangereux. Voilà. Donc je voulais juste vous partager ce direct pour vous montrer en fait la France d'aujourd'hui. Voilà, la France d'aujourd'hui. On tire sur des gamins qui ont entre 15 et 18 ans. On les écoute pas. On va à l'affrontement avec eux. Et voilà, j'ai vu des scènes où les flics les frappaient. Voilà. Donc, c'est quoi la communication en 2020 en fait? Je vous le dis, c'est quoi la communication en 2020? C'est ça? C'est quand on n'est pas d'accord, en fait, on sort dans la rue et on se fait gazer et frapper sur la gueule. Donc, voilà. Moi, j'ai un flic qui est venu vers moi, qui m'a frappé. Hein, parce que, quand on fait de la presse, forcément, on montre un peu ce qui se passe. Et surtout par la photo. Hein. Donc, on m'a dit de dégager. Voilà, dégager. Voilà, c'est ce qu'on dit. J'ai essayé de parler, en fait, à un flic qui a été quand même assez sympathique, hein, qui m'a dit que lui aussi, ça lui plaisait pas de faire ce qu'il était en train de faire. Et il y a des ordres. Donc voilà les ordres des flics qu'ont sûrement des préfets et tout ça. C'est de charger en fait. Voilà, on charge. Voilà, et on continue à charger. Voilà, vous les voyez arriver. Voilà, et puis ça balance. Voilà, ça balance encore. Voilà, donc là, voilà, je suis encerclée, c'est super, voilà.